Salut tout le monde, c'est Jacques, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, enfin, le mode histoire est sorti sur Grinnell. Donc les gars, on va tester direct. Mais juste avant ça, on va regarder un petit peu les nouveaux ajouts, les nouveaux trucs. Donc je voulais juste aller voir dans mes parties déjà. Alors, vous pouvez télécharger une version précédente, d'accord. Donc mes deux parties qui sont là, comme je vous avais dit la dernière fois, elles sont mortes. À moins qu'on télécharge une ancienne version. D'accord. Mais non. Personnellement, non. Je pense qu'on va tout recommencer direct en défi. Est-ce qu'il y a des nouveaux défis? Non, défi forgeron, c'était le dernier défi, d'accord, ok. Et alors, on m'a parlé. Je sais pas si je fais ça, ça part direct. Attention, nous vous recommandons de commencer l'aventure Grinnell avec le mode histoire. D'accord, ok. Voulez-vous vraiment commencer votre partie? Non, 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 non. Ok, d'accord. Et alors, dans le mode histoire, on a. Mode personnalisé, touriste. Alors promenade, c'est quoi? Une promenade de santé, santé mentale, désactivée, désactivée, désactivée. C'est pas pour nous. Santé mentale, activée, activée, normal. Roi de la jungle. Diminution des nutriments accélérée. D'accord. Enfer vert. Santé mentale, prédateur activé. Prédateur activé. Prédateur activé. Mais je pense qu'on va la faire en normal pour l'instant. Parce que voir un petit peu ce que ça va donner. Les ennemis sont plus agressifs et les pénalités de santé mentale sont plus sévères, recommandées pour les experts en survie. Je pense qu'on va, ouais, on va partir là-dessus. Les ennemis sont plus agressifs, nanana, recommandés pour les vétérans, santé, nanana, ok. Ça, je vous rappelle que j'avais commencé déjà une partie, c'est la partie où j'ai fait 30 jours, là. Personnaliser votre difficulté, expérience générale. Et touriste, mode paisible, sans attaque hostile, il n'y a aucun animal dangereux dans la jungle, recommandé pour les joueurs occasionnels. Désactiver, désactiver, désactiver. D'accord, ok. On va se faire ça en normal pour l'instant et après on verra pour accélérer tout ça. Allez, c'est parti. Jour 1. Ok. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? J'ai oublié qu'il avait un talkie-walkie celui-là. Ok, You can come up. Tu peux venir. Just go ahead. I need to find Et moi, je cherche quelque chose dans mon sac à dos. Ouais, d'accord, ok. J'ai paraît que tu veux dormir. Cherche quoi? What exactly? The gear should already be at the camp. Tout le matériel des vétérans sur le coin. Un peu de patience. Et coquine, alors. You can catch up, I guess. The path leads through that canyon. I know. D'accord. Bon, traîne pas trop quand même, hein, ma petite dame. Donc, allez, on va commencer, les gars. Bon, là ça sert à rien ce que je fais parce que bon, on va directement se rendre là-bas. On va aller là-bas, ok. Elle est toujours en train de chercher son truc dans son sac à dos là. Putain, elle va se perdre. Elle va se perdre celle-là. Nouveau talkie-walkie. Eh bah, c'est parti, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, Tu as bien amarré have le you tied bateau. down the boat? Si. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances. But I am glad we came back here. Ouais. Allez, allez. Yeah, I feel you. That place is beautiful. Still. C'est vrai que c'est super joli. Hein. Still. C'est magnifique. We can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am on off aura fini to de s'installer, j'irai au village, là-bas Yuka. Ouais, bah pas de soucis, ma petite dame. Tu iras là-bas si tu veux. Ouais, il sert qu'il vient de nous parler. You're a phenomenal Allez, il faut rester optimiste, il n'y a pas de meilleur interprète que toi. Them, quelqu'un peut communiquer avec eux, c'est bien toi. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Mais par contre, j'avais un petit souci la dernière fois. Enfin, la tente était montée la dernière fois. Okay, non? I found the tent. Is everything all right? Tout va bien. T'as vu, elle fera l'affaire. C'est pas une 5 étoiles. On va the faire camp looks l'affaire. impressive.
They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Ouais, d'accord. Ok. Ça passe direct au jour 2. Donc, bah, allez. That's everything. We're officially settled in. On conserve. On a l'habitude de ça. I remember the agreement, but maybe you should. Laisse-moi rentrer là. On va faire des trucs bizarres tous les deux. Laisse-moi rentrer un peu. Après, je te verrai plus donc. You know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allez, va ramasser du bois. On va se faire un petit dîner au chandelier. Romantic canned beans. Use your imagination. Ouais. Sers-toi de ton imagination. Ouais, ouais, d'accord. T'inquiète même pas. Ça, c'est les notes. Ouais, mais ça, on connaît. Ça, on les connaît, donc il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est le camp. Bah, je sais pas trop. C'est lequel, celui-là? C'est les gentils ou des méchants? Ouais, mais celui-là, peut-être que... Ouais, on le verra plus tard. Oh, là, il y a un truc qui doit charger. Là, ici, il y a un petit masque, ok. Écoutez, les gars, on va tout regarder dès le début. Comme ça, après, on sera tranquille, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc ça, on avait vu. Ici, il y a quoi? Ici, c'est les gentils. Ça, c'est les Yabayuka. Les Yabayuka, ils sont gentils. Normalement, je dis bien, normalement. Ça, c'est quoi? Dark Frog. Ok. Donc, il y a des nouvelles grenouilles maintenant. Ok, pas de soucis. Enregistreur audio. Je crois d'être une Amazonie, mais ça faut quand même le coup d'aller en parler. Une mortelle au monde ne peut pas être canalisée pour les autochtones. Un sentier par les mines de vaccination. D'accord. Burn their skin and then puncture themselves, administering small doses of frog poison. They keep repeating the process every once in a while to stay fully immune. D'accord, ouais. It's barbaric for us, but it's an everyday routine for them. Ouais. Bon, ok, pas de soucis. Ouais, c'est pour comment dire, s'habituer au venin. Mais petit bâton là, non? Non, t'as pas envie que je le ramasse celui-là. D'accord. Donc là-dessus, je pense qu'on avait fait le tour ici. Et de là-dedans, on va juste aller trouver à faire un feu. Ouais, mais t'inquiète même pas, mon pote. Eh. Le roi de la jungle, c'est moi. Tu sais pas encore, mais tu vas le savoir. T'inquiète même pas. Alors, déjà ça. Petite machette. Ouais, ça sert à rien d'en prendre deux. Donc, allez. On va lui faire un feu à la Simone. Elle va être super contente. Donc, ah ouais, il y a pas mal de petits trucs, ça. Aucune entrée. D'accord, ok. Ouais, de toute façon, tu veux juste un feu de camp. Donc, vas-y. Il manque des petits bâtons. Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. T'as qu'à le faire, sac à dos, ça va pas toi. Eh. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned that je m'en doutais, ouais. Don't tell me. T'inquiète même pas. We have no fire. Bah oui, comme par hasard. Lighter, nor box of matches. Comme par hasard, mais t'inquiète pas. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Oh, attendez, je vais pas me prendre la tête. Well, not the best start of the expedition. Ouais, la Simone a fait n'importe quoi. Ouais, quand même, allume-feu. Ouais, mais t'inquiète pas, des allume-feu, je connais. Je connais, hein. D'accord, il veut pas. Donc, il doit y avoir un autre allume-feu qu'on doit faire. Parce que celui-là, il connaît pas le monsieur. Alors, elle est où ta nouvelle entrée allume-feu là? Allume-feu, il est là. Bâton. Plonge d'allumage, petit bâton. Ouais. D'accord. Bougez pas. Ah, il y a un panneau solaire sur son sac à dos. Ça, j'avais jamais vu ça par contre. Fabriqué. Ouais.
Ok. Donc il nous fait l'allume-feu comme ça, il n'y a pas le choix. D'accord, ok. I need to find something dry. Utiliser. Normalement, j'ai récupéré ce qu'il faut là-dedans. Allez, vas-y, mon poteau, c'est parti pour le show. Fais-nous ton premier feu. Mais celui-là, il prend beaucoup d'énergie, donc ouais, c'est pas le top. Simon, c'est bon. The fire is burning. Coming, give me a minute. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Ah, maintenant on peut lui répondre et on a le choix en plus. Ah bah c'est parfait ça. Je t'aime, tu vas me manquer, tu as raison. Oh, fais pas le sentimental. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. D'accord. Ah bah on est venu foutre la merde chez eux quoi. Comme d'hab. Comme d'hab, je dirais bien. Tu dors là? Allez, réveille-toi. Ah c'est ça commence. Elle est plus là. Elle a disparu les gars. Fouiller la tente. Oh bah t'inquiète même pas mon pote, je vais tout fouiller. Prends ça là, prends ça, prends ça. Ah oh là là. Prends même ce qu'il y a sur ton lit là, le sac de couchage, ça serait pas mal. Donc là dedans il y a rien là. Prends toutes les conserves mon pote. Les céréales. Non 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 non. Là on peut rien prendre là-dessus. Non, donne. Donne-moi ça. Enregistreur audio. Elle a encore enregistré un truc, elle. Il était pas là tout à l'heure. On va l'écouter direct. Enregistreur numéro 1. Oh, je suis en expédition avec ma femme Mia. Et Mia dit bonjour. D'accord. Attends, on a entendu un serpent. Mais je suis bien préparé, tu ne crois pas? Ouais, bah écoute, hein, que tu sois préparé ou pas bien préparé, hein. T'en fais pas. D'accord. Bon, c'est tout pour cette fois, Mia. Ok, pas de soucis, mon potos. Ok, là, elle a carrément arraché une feuille de son truc pour lui montrer que la feuille du tabac, elle est bien. Donc les autres, on avait fait le tour. Là, ici, il n'y avait plus rien. Ça, on a lu. Ça, c'est la note de quoi, ça? Ah, elle était pas tout à l'heure. J'ai effectué. Ah, c'est pour faire un truc pour les cérémonies, je sais pas quoi. D'accord. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait lire. D'accord. Liane des âmes. Les effets de ces substances psychédéliques durent habituellement plusieurs heures. Pendant cette période, les participants de la cérémonie ont une révélation spirituelle. L'ayahuasca. Ouais, l'ayahuasca. Ne se prend qu'en présence d'un chaman qui sert également de guide. D'accord. Ok. Pardon, pardon. Ok, d'accord. Donc là, je peux toujours pas prendre des bouffes. Non. Donc je pense que c'est la petite note là qu'il va falloir lire maintenant. Donc on va la lire tout de suite. Je suis au village, appelle-moi par radio quand tu te réveilleras. Puis je vais te laisser un petit cadeau. Bisous Mia. Bisous bisous.
Un message vient de lire ça, qu'est-ce que tu me casses la tête? Ouais bah ouais. Donc laisse-moi tranquille. Je peux pas prendre la montre? Ah non, faut que je l'appelle d'abord. D'accord. Allô Mia. Hello. Mia. Hey sleepyhead. Finally up. Ça y est, ça fait longtemps que je suis debout. Ouais, tu es déjà parti? Why didn't you wake me up? Ah ouais. Well, oh, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. D'accord. Parce que tu crois que... Voilà, j'ai... D'accord. Ok. C'est parti pour le show, les gars. Voilà, c'est parti pour le show. Direct. Petite montre. Ok, plutôt sympathique. Donc normalement, si on appuie là, exactly what I wanted. Non, bah pas tout de suite. It even has solar batteries. And ah ouais. A macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. Carence, on n'est pas là depuis quelques jours. Mais le stress peut t'épuiser. But stress can wear you out. Tell me about it. D'accord, donc maintenant, ça y est les gars. Tout est affiché, tout est bon. Il manque juste un peu de prot. Ok, fouillez la tente pour trouver quelque chose à... quelque chose de nutritif. Bon, ok, ça c'est bon. Il y a plein de choses de nutritif dans la maison. C'est tout? Il n'y a plus rien? Non, c'est tout, il n'y a plus rien, je crois. Je crois qu'on a tout pris là-dedans. Il faudrait juste un petit sac à dos et je pense qu'on serait pas mal. Je pense qu'il doit falloir manger parce que comme on a plus trop de vie. Ça dégage moi ça. Donc là ok, là ok, petite barre de céréales, je vais en manger une. Voilà. Appelez Mia, pas de soucis. Donc c'est vrai, faut suivre un petit peu le scénario. Rested and well fed. Perfect. Continue comme ça, maintenant que tu fasses tourner les ménages à plein régime. Ah bon? I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected. They don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Ouais. Commence ton aventure, hein, ma petite dame. Ah merde, non, c'était mon point. Ouais, on va dire sois prudent. Just be careful, please. I will, but if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Examiner le tableau d'affichage. D'accord, mais je l'ai déjà fait tout à l'heure, mon pote. J'ai déjà fait tout ça. Là, c'est les Yabakuba. Ok. Ça, c'est la grenouille qui te fait mal. Alors ça, je sais pas. Je pense pas que... Enfin, là, ça doit être le camp où elle est, elle. Parce que le camp abandonné, c'est pas celui-là. Il ressemble pas à celui-là. À moins qu'il ait cramé avant, c'était ça. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit celui-là. Je pense pas. Donc là, ça c'est les animaux qu'on peut bien manger. Ah, lui je pouvais pas le lire tout à l'heure. Ok, d'accord. Lui je pouvais pas le lire. Les feuilles de tabac sont très efficaces pour les morsures envenimées. Mais est-ce qu'elles peuvent guérir autre chose? J'ai vu au nord du camp. J'en ai vu au nord du camp, il n'y a pas d'arrêté d'escalader. C'est parfois... C'est l'endroit parfait pour commencer. Ouais, mais attends, parce que... Il y avait des petits bruits bizarres quand même. Allez au nord... Et trouver du tabac. Pas de soucis mon pote. Au nord. Ben voilà. Ok, c'est par là. Donc on va continuer par là les gars. Grimper. Je pense que ouais c'est ça. C'est le scénario qu'il faut suivre. Pour l'instant. Je pense. Voilà. Il se casse la jambe ou je sais pas quoi. Ouais oui, je me rappelle de ça. Oh, arrête ton cinéma là, mon pote. Mia.
I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Ah ouais, d'accord. Yasmio, are you okay? I'm not sure. Je vais m'éloigner un peu pour que tu t'entendes. Premièrement, quand tu seras examiné. Ouais, t'inquiète pas. Examinez votre corps. T'inquiète même pas, mon pote. C'est pas là, c'est sur celui-là. That's definitely not good. Hop, faut rappeler l'autre. Mia, que des égratignures. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Ah merde, à chaque fois je me plante. Ouais, t'inquiète même pas. I do. Molinaria. Long, smooth, acute leaf, surrounded by yellow flowers. Ah, il y en a une là, regardez. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over. T'inquiète même pas, ma grande. Allez, salut. Non, mais il y en a là. Il y en a juste ici. Regarde. J'avais oublié que j'avais ma machette. Je l'avais oublié, celle-là. Alors, bouge pas. Ça. Fabriquer. Pansement. Direct. Et comme on est là, les gars, je sais pas si l'aventure allait commencer vraiment ou on est encore dans le tuto. Et je préfère prendre les devants. Vous voyez, direct. Hop là. Hop là. Hop là. Allez, viens soigner ça, là, mon pote. Sinon, ça risque de s'infecter. Ne vous inquiétez pas, on connaît les bails. Appelez encore Mia. Oh là là là. Here I am. All wrapped up nicely. Tu as mal. Mais non. Arrête ton cinéma, toi. Je souffle le martyr. Oh là là, le cinéma qu'il fait, celui-là. Not much. Good. Hopefully, it will heal fast. So, how are you doing? Ah, il a disparu, le talkie-walkie. I'll be initiated in a few days. Il tient dans quelques jours. Je suis optimiste. J'espère qu'après, il mettra ton rang comme une délire. Je pourrais alors... Non. I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily... Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Ouais, ouais. Il va falloir faire attention, Mia. Jour 32. Jake, ah ouais, d'accord. Please come in. Jake. Ça part en couille. I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia. Ça y est, les gars, c'est en couille. What the hell's going on over there? Y'a rien à récupérer. Ça là, je devrais les prendre, ça quand même, merde. Les gars, vous êtes pas gentils. Hein. Y'a rien à récupérer là-dedans. Non, c'est bon. Je pense pas. On fait quand même un dernier petit tour. Tac, 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 tac. Non, c'est bon. Trouvez Mia. Bah ouais. Bah écoute, hein. On va essayer. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouais, t'as la tête un peu dans l'eau là quand même, va falloir se lever, sinon t'es mort. Green Hell.
L'enfer vert. Allez les gars, c'est parti. Franchement, ça fait plaisir de retourner dessus. Franchement, ça fait grave plaisir. On va le tuer. On va le tuer celui-là. Ce jeu-là, on va le tuer. On va trouver Mia, je sais pas dans quel état, mais bon. On va essayer quoi. Hello. Ah. Jake, what the hell is going on there? Allez, prends le Toki Walkie. Non, non, il est trop mort. Il est trop KO. Il est trop KO. Oh, petit avion. Petit avion qui passe ou je sais pas quoi. Ça fait plutôt plaisir. Ah, ah, ça y est, tu commences à voir un peu plus clair. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon, les gars. Ça y est, c'est bon. Ok. Mia. Mia. Ok. Oui, je sais où je suis déjà. Premier camp de base que j'avais fait ici. Là. Ici, c'est mon premier camp de base. Voilà, consulter l'objectif dans le carnet. Nouveau dialogue déverrouillé. Ok, t'es parlé. Allô, y a quelqu'un? Can anyone hear me? Non. I had an accident. J'ai un accident, je vois, j'ai besoin de secours. Please, help. Non. Over. Ok, tout ce qu'on avait ramassé, on n'a plus rien. Pourquoi tu t'arrêtes quand tu marches? Marche mon pote, marche. Donc là, on sait, ouais, le camp là, on le connaît, les gars, parce que j'avais fait mon camp de base ici, donc ici, je connais plutôt pas mal. Donc, bon, on repartira d'ici sur la prochaine partie. Donc, bah, les gars, laissez le message dans les commentaires si ça vous a plu. Puis on se retrouvera dans une prochaine partie. Donc, portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.